Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test sur une palette que j'ai trouvée l'année dernière, je crois, chez Centre Accor. Je n'avais jamais essayé leur maquillage, donc j'ai voulu tester leur palette et je les trouve plutôt pas mal, malgré que la matière soit un peu poudreuse. Donc, c'est la palette Modélite Ombre à paupières. Voilà. La numéro 2. Alors malgré qu'elle soit poudreuse, elle est plutôt pas mal, elle est pigmentée, elle est bien. Voilà, donc je vais utiliser cette couleur-là avec ces trois-là en fait. Voilà. Alors le teint, je l'ai déjà fait avec. J'ai utilisé celle-là de la marque Dedona du site Bulle de Beauté. J'ai pris également le fond de teint de la marque Dedona, celui-là sur le site Eva Beauty Access, je crois. J'ai utilisé le trio de blush de la marque Dedona, pareil. Celui-là, je l'ai trouvé sur le site Bulle de Beauté. Donc, deux petits sites franchement au top, comme d'habitude, des maquillages à petit prix. Et franchement, il est nickel. Donc, on va commencer le crash test de la palette. Alors, la palette, celle-là, je crois qu'ils en font encore chez Centre Accor. Donc, ils sont à 7 euros. Donc, on va commencer. C'est parti. Donc, on a dit qu'on faisait du gris. Donc, j'ai mis du primer. Malgré que la palette soit pigmentée, j'ai préféré quand même mettre un primer. Alors la couleur, elle est claire, malgré qu'on croirait qu'elle est foncée. Voilà, je vais venir mettre une couleur un peu plus foncée dans le coin de l'œil. Alors, elle est très facile à travailler. Franchement, j'ai jamais eu de problème. Voilà, je vais venir juste remonter dans le creux de l'œil et sur la paupière. Elles sont jolies, ces couleurs mates. Voilà, je vais venir flouter juste un petit peu tout à l'heure. Bon, c'est sur Centre Accor, 7 euros la palette. Juste un petit bémol, c'est que je les trouve quand même un peu trop cher à mon goût. Voilà, je vais juste venir flouter un petit peu. Voilà, couleur discrète. Voilà. Et on va finir par le mascara, toujours le même, celui-là, le packaging, je le trouve juste génial sur le site Eva Beauty Access. Voilà, avec sa petite brosse qui sépare bien les poils, le poil. Celui-là, pareil, ça fait presque un an que je l'ai. Il m'en reste aussi beaucoup plus de la moitié. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il est juste topissime.
Il agrandit assez fortement le regard, c'est ça que je trouve génial en fait. Voilà, et pour terminer mon petit make-up, je vais mettre le Velvet Lipstick de la marque Winnie, pareil sur le site Emma Beauty Access. Je crois que celui-ci, elle n'en fait plus, mais il y en a plein d'autres, des lipsticks comme ça, juste nickel et à petit prix. Celui-là, il est sans transfert, pareil. Alors le Velvet, sur celui-là, il y a une collection, il y a plusieurs couleurs. En général, elle fait plusieurs collections comme ça, avec plusieurs couleurs. Voilà, et sans transfert. Donc voilà pour le petit crash test de la palette que j'ai trouvé chez Centracorp de la marque Modélite. Donc voilà pour ma petite vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Cela me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. J'y répondrai le plus vite possible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.